C'est une église, l'église Pentecôte authentique internationale. Nous croyons manifestation de la puissance de Dieu. Nous croyons au ministère, au Saint ministère apostolique. Nous croyons fermement au ministère des prophètes. Nous croyons à la destruction des œuvres de la sorcellerie, la particularité de ce ministère. The particularity of his ministry is the destruction des œuvres de la sorcellerie. Witchcraft actions. Sorcellerie, on joue pas ça. We don't have to joke. Là où il y a la sorcellerie, where witchcraft is, il y a le retard. We have like this. Là où il y a la sorcellerie, where we have witchcraft, il y a des maladies mystiques. We have mystical sickness. Et la science ne peut that guérir. Cannot recover. Cannot là cure. Où il y a la sorcellerie. Where we have witchcraft. Il y a des choses bizarres qui vous arrivent. Difficult things. Sous cela, that's why il faut que la sorcellerie soit radiquée sur ce sol africain. Amen. Les blancs ont radiqué la sorcellerie. Ils ont commis le siècle glorieux après le siècle de lumière et de la révolution industrielle. C'est tant qu'ils ont pratiqué la sorcellerie. Parce qu'un sorcier veut dire je mange l'homme. Quand tu inities à la sorcellerie, when you are initiated to witchcraft, tu dois envoyer quelqu'un. You must et tu dois, tu deviens immédiatement cannibale, mangeur d'âme. Bon, cannibale, d'accord, c'est physique, mais mangeur d'âme, celui qui mange âme. Human flesh. Donc la sorcellerie, so witchcraft, doit être déclarée, must be la pratique, declared crime contre l'humanité. La Amen. Pratique, la sorcellerie doit être déclarée comme crime contre l'humanité. Amen. Il y a deux mondes qu'on ne peut pas ignorer. Le monde physique, il y a aussi notre monde qu'on appelle le monde spirituel, qui est une réalité. Celui qui ignore the one ce deuxième monde, the second world, ignore même sa vie, is ignorant de cette chose, parce things. Que le monde spirituel because existe. The spiritual world exists. Et si ça existe, ça c'est réalité. It has its realities. On avait une fille parler ici la semaine. A girl was talking here last week. Comment tu vois? Elle dit non, je sens que le monsieur, son papa va voir une voiture. Elle a vu la clé de la voiture de son papa sur son visage. Oh, le monsieur avait le projet d'une voiture. Elle a détruit ça. On his face, so she destroyed it. Et bien comment tu as cherché? Il a vu ça sur son visage. But I already did it. Si son visage avait les clés. On his face. Donc, so the keys. Il avait déjà possédé déjà la chose. So she has already possessed. C'est ce qu'elle a vu dire. The key. Dans les plus des gens. The Bible say. Tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu. Believe that you have. Vous verrez cela s'accomplir. And this will come to. Dieu m'a dit Abraham. God said Abraham. Il va changer le nom du patriarche. He changed the name. Avant qu'il ait d'abord Isaac. Before being Isaac. Nous avons déjà la chose sur le plan. We already have the. We already have. C'est ce qu'on appelle la destinée de quelqu'un. That's what we call destiny of. Et j'ai détruit le projet. Because I have destroyed the plan. Nous avons cru très tôt à la chose. We have believed in that thing. Nous bénissons le nom du Seigneur. So we bless. Dieu ne révèle pas ça à tout le monde. Oui. God cannot reveal it to all of us. Dieu ne révèle pas ça à tout le monde. God cannot reveal it to cette réalité. D'autres mondes ici, mais c'est une réalité. Some do not trust. Que tu crois ou pas, you believe in that. Ça existe. It's a reality. Lui s'en fout. D'ailleurs, la sorcellerie aimerait que tu sois le ignorant, que tu restes dans l'ignorance la plus totale. Ignore everything. Pour continuer d'agir. To keep on acting. Nos parents meurent. Our parents are dying. On les amène à l'hôpital, on ne sait pas. They bring them to hospital, and we don't even know. On les amène à l'école, they suffer. Et du coup, ils ont une maladie. And then, with difficult sickness. Vous mettez de l'argent dedans. You spend your money. Une dépression pas possible. And et c'est fini. Depression. Toute cette connaissance là, all that knowledge, en l'air, c'est fini. Can go. On l'appelle fou. On the spot. And then, because même les scientifiques veulent le distraire pour le donner les tranquilles. Eux-mêmes disent tranquillisant. We can give them some medicines. Nous avons vu de 20 ans de folie guérir. We have seen too many people. Des fous les plus terribles. Many years, les gens des Arocos ont vu. Des gens qu'on mettait dans les chaînes. Fous. Some que Jésus a guéri. Amen. Sous nos yeux. Amen. Who are held. Ne méprisez pas la puissance de Dieu. Ignore the power. N'ignore pas aussi la présence de Satan. Ignore the presence of. Il a ses œuvres. His own. Il y a aussi les œuvres de Dieu. And we have called action. La Bible dit le Fils de Dieu est Jésus. The Son of God est apparu pour détruire les œuvres du diable.
Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes révoltés. Une haine terrible avec les œufs de la sorcellerie. Nous sommes pas faits. L'être humain n'est pas fait pour être mangé. On vous mange comme des clés-clés, des galettes, des pauvres. Ou bien des croquettes. Il y a des gens les mains comme croquettes. Il y a des mains, puis s'en fout. Pendant qu'il est dans sa bouche, c'est pas. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia. Tiens, quelqu'un, Jésus est Seigneur. Moi, Jésus est Seigneur. Non, on m'a pas enseigné la puissance de l'église. The power of church. Non. No. J'avais peur d'aller à l'église. I was afraid to go to church. Parce que je suis né musulman. Because I was told. L'église ne disait rien. The church was not for me. I was trusting in the heathen. I knew that God existed. If we die, we should have gone to the heathen. Mais l'église, ça m'intéressait pas. But the church. It's not interested. Quand ça, quand le diable m'a poussé, the devil, il m'a coincé dans un couloir. In the corner. Il a commencé à manger mes poumons. Killing my. Avec appétit. Killing me step by step. J'ai cherché la rue d'église. And I check now the way of the church. Faut pas aller chercher la rue d'église. Ils vont me manger banane brisée. I could have been killed. J'ai vu mon père mourir sur mes yeux. I saw attends d'agoniser. Father died. J'étais convaincu c'est la sorcellerie. And I was convinced that it was mon frère est mort. My brother died. Ma soeur. My sister. Ah. Mon cher. Ça là. Je suis convaincu que après l'autre, l'autre c'est after moi. After that, I've been convinced that it was my turn. J'ai resté encore, je cherchais la puissance de Dieu. I was checking. On dit Marabou, on a trop vu des nasigis. C'est un message, on est rassasié de ça. We have. We have to go and see the Marabout. Chaque jour, on boit ça. Le grand buveur de Nassigi, mon papa, est tué. My father. Où jouait le diable? Was dead. Si vous avez la puissance de Satan, if you have une autre puissance viendra détruire ça. Another power will come and destroy. C'est la puissance de Dieu qui est inégalable. Elle est incomparable, cette puissance. Amen. C'est fini. It's over. Je vomissais du sang. Was vomiting blood. Terriblement du sang. Terribly. C'est fini. It's over. On ne pouvait pas. They couldn't. J'ai vu Jésus me guérir. I saw Jesus healing me. J'ai vu Jésus. I saw Jesus. C'est toi le sauveur ici, c'est lui. He's il est Jésus. He's Jesus. C'est lui le sauveur. He's the savior. J'ai pleuré. I cried. Je savais pas. I didn't know. Je ne savais pas. J'entendais parler, mais comme c'était talking film, about him, I thought it was in the movies. Je suis Jésus. I'm Jesus. J'ai pleuré. And I cried. Je t'appelle. I'm calling you. À m'accepter. To accept me. Et à faire mon œuvre. In the direction. Je suis devenu esclave de Jésus. And I'm now a slave of Jesus. Jésus existe. Jesus exists. Je t'annonce cette bonne nouvelle. I'm giving you the news. Il est vivant. He's alive. Il s'est révélé à moi. He reveals me. Il est capable de se révéler. He's able to. Amen. C'est cela que je n'ai that's pas why peur. I'm not afraid of sorcery. Les abichis me disent rien. They are bichis. Nothing for me. En action, on les appelle abichis. The people call them abichis. Bichis me dit rien. They are nothing for me. Prochain mon livre va porter le nom péché même d'ailleurs. Vous avez, où les abichis, vous avez fini, vous avez trouvé le vrai nom des sorciers. Nous on jouait ça. Bichi. Hein? Un poche. C'est comme pour en mettre dans ton visage. Aucun sorcier ne me fraye. Amen. Amen. C'est celui-là, je vois les yeux, ils ne disent rien. Amen. Ils allaient faire marcher. You can do everything that you want. Pay everything that you want. That's how it's easy. Eat. But if you have not missed rate me, then I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. All of us know my alliance with God. And at night, they tried. Je suis allé les gérer tout le monde. I went to fight them. La vidéo est si sur le YouTube, les gens le savent. Fresco là, le Ditambé là, c'est quoi le village? Fresco. Hein? Zegreboué. Zegreboué. Fresco Côte d'Ivoire.
Au moins 260 sorciers sont sortis. More than 200,000 sorcerers came out. Do you want to go with me? I'm anointed. Il dit, ne touchez pas mes coins. Do not touch my anointed. Amen. Amen. Banaliser la sorcellerie. Do not consider witchcraft. Pas parce que vous dites que ça n'existe. Not because it does not exist. Mais si vous avez Jésus. But if you have Jesus. Pas peur de la menace de la sorcellerie. Do not be afraid. Witchcraft right now. Moi chaque jour il me menace. Every day. Mais you threaten me. But I'm here. Jusqu'à maintenant c'est devenu international. On se met sur Facebook. And they are now international. Le prophète va mourir. Saying on the internet. Je n'ai pas peur de la mort. The prophet is going to die. I'm not afraid of death. Qui a peur de la mort. If you don't have God, la mort m'est un gain. Mais c'est pas la bouche d'un vilain féticheur qui a me tué. A fetishist cannot rape me, cannot kill me. Mais voici, j'ai baillé sur trouble. Dis comment il y a grossi, sans de faire footing pour fondre un peu. Je ne mets pas maintenant. Amen. Amen. Dieu est puissant. God is powerful. Qui n'ont qu'à nous laisser tranquille. They have to leave us alone. Un peu seulement, vous allez avancer un peu. Just a little Personne bit. Nobody on this earth par accident. Can live Personne. By accident. Nous avons tous une victoire. We all have a storm. Nous avons tous une destinée. We all have a destiny. C'est ce qui vient d'éteindre. Of peace. Et tu devrais tirer dans un noir tout le temps, ce qu'on appelle le délestage spirituel. In darkness, spiritual darkness. Sometimes you have light, and sometimes on, off. Chacun sait ce qu'il vit. All of us know. Quand quelqu'un est dans le When the person one is in the darkness, you know. Dis à quelqu'un, Dieu est puissant. Set your name. God is powerful. Dis à quelqu'un, Dieu est puissant. God is powerful. Ça va? Viens, lève-toi. Tu sais que Dieu m'a montré les choses sur toi? Do you know that God has shown me things on you? Tu es sorcier. Are you a witch? Hmm? Qui t'a envoyé ici? Who brought you here? Je suis venu avec ma camarade. I came with my friend last time. Ah, qui t'a envoyé? Il n'est pas été venu avec qui? Le français là, vous venez bien. Here. Moi, je suis un spécialiste dans poser questions. Specialist. J'ai ma spécialité, je pose les questions et donne-moi mes réponses. So I need answers. Comment tu es venu à la brigade? How did you come here? Je suis venu avec ma camarade, c'est elle qui m'a parlé de ça et puis on est venu ensemble. Elle a dit quoi? Elle dit qu'il y a un monsieur ici qui délivre la société. Et puis tu es venu. Pourquoi? Pour que je sois délivré de la sorcellerie. Hein? Pour que je sois délivré, so que me délivré de la sorcellerie. La première fois on s'est vu, il a dit quoi? The first time we met, what did I say? J'avais dit de venir avec ma... Il était chassé. Oui, parce que je n'ai pas... Moi j'aime les détails. To go away. J'ai dit tu es venu. Si tu viens, tu es venu avec qui? Who did you go with? Je suis venu avec ma camarade. You said no, my friend. Elle n'est pas ta parente. She's not your parent. Viens avec un parent. Come with your parent. Comme ça, il sera témoin. So that I can be a witness of what you're going to say. C'est ce que. Hein? Oui. Mm-hmm. Oui. Mais tu venais avec ta camarade. But you came with your friend. Aujourd'hui, je suis venu avec ma sœur. Ouais. I'm here today with my sister. She's on it. Elle a posé une question. I'm going to ask her a question. Et ta sœur? Is it your sister? Minable. On se fâche pas. Ah non, quelqu'un peut traduire en bambou. Qu'est-ce que tu veux traduire pour nous? Joël. Ouais, bien. Minable, et moi, monsieur, moi, on me slap, on témoigne, on traîne, il beau. She confirmed that she told him to be a parent. To be with his brother. She did the worst.
She's saying that they are not till the friendly. She's married. She's a sister. She's saying that they are suffering, the family. Tu es sorcière? Are you a witch? Oui, pasteur. Non, le prophète. Prophète. Le pasteur, le passé. Oui, prophète. Pas un préfet qui dit sous-préfet. Il va t'interpeller tout de suite. Pas l'orgueil, c'est mon titre. Voilà. Donc, c'est pas fait des dons. C'est comme c'est le prophète. Better say prophet. Le sorcier. Are you a witch? J'ai fait quoi? What did you do? C'est moi qui suis allé te chercher. Non. Did I go to teach you? J'ai venu pourquoi? Je suis venu parce que je suis. Why did you come? Dans la nuit, j'ai fait une mauvaise rêve. Because j'ai tué. Ça a fait une mauvaise. Bon, j'ai tué. Parce que j'ai tué. Because. I can hear you. Why did that's why. Je suis venu. To be combien? Qui? J'ai tué mon neveu, j'ai tué mon fils, j'ai tué ma nièce, j'ai tué mon neveu, j'ai tué mon fils encore. And another of my sons. J'ai tué. And I killed my heart. Encore mes cinq enfants. My five children. On reprend le nom des gens que tu as tué. The names. J'ai tué mon fils. Il n'a pas de nom. My son. Hervé. Hervé. Comment tu as tué Hervé? How did you kill Hervé? Almani. Mon nom. Hein? Mon nom. Tu as tué Hervé. Comment tu as tué Hervé? How did you kill Hervé? Il est mort. Il a été malade. Oh. You were sick. Tu dis tu l'as tué. Comment tu l'as tué? How did you kill him? Tu dis que tu es venu parler. Mm-hmm. Mon soigné, l'homme là, sorcellerie là, c'est parlé. Je l'ai découpé. Comment? How? Je t'ai bien dit, je suis expert en poser des questions. I told you that. Ben, tu peux venir dire à quelqu'un quand je l'ai tué. How can you say to someone? Tu l'as découpé comment? Kill him, you cut him. Je l'ai découpé en morceaux. M'explique. Est-ce que quand on l'a vu là, quand il mourait là, il était morceau, morceau? Non. Ah, donc faut how expliquer comment tu as fait. So try to be more explicit. Non. Faut laisser. Quand tu as envoyé un rêve, tu nous mélanges. Vas-y, d'une manière consciente. Ça, c'est conscient. Vas-y, si tu dis Hervé, c'est d'une manière consciente. Tu es conscient. C'est toi qui as tué Hervé. Donc laisse après les rêves. Si tu veux arrêter, nous mélanger. Tu veux être délivré ou you pas? You want to be delivered or not? Je vais te délivrer. Ah, mais voici l'opportunité. There is the opportunity. Toi, tu viens délivrer et puis dans le camp ici, tu lâches ici, tu lâches ici pour envoûter le camp. To bewitch. Be sinner. Ça te fait rire. Tu dis quoi? Alors, je mens sur toi. Am I lying? Toi, tu vois. Donc, toi, tu vois pas. So you don't see it. Non, je te demande. Tu viens prier dans la brigade anti-sorcier. Et tu lâches ici, dans les quatre coins, pour envoûter l'église. C'est normal ça? The church. C'est pas normal. Vous parlez, je t'écoute. The people talking. Tu as essayé un peu, non? Qu'est-ce que tu as trouvé ici? What did you find here? L'église ici. When trying. Ah, tu n'as rien trouvé. Il n'y a rien. Anything. Tu as essayé ta sorcellerie, tu as vu quoi ici? What did you see here? We tried to ah, donc ce qu'il dit là, c'est faux. C'est pas faux.
My life. Donc, vous me voyez là, vous savez ce que je suis. Mais c'est ce qui est tué là que j'en ai dit. Mm-hmm. Ou bien tu es en train de me perdre le temps ou bien. Don't waste my time. La première fois, il te dit, va, dégage, allez, dégage. Dégage. Je ne suis pas là pour les gens qui viennent jouer. Non, si tu es venu jouer, on n'est pas avec toi. Ici, on n'est pas venu présenter. On vous mate. Don't joke here. La sorcellerie, moi, je ne suis pas ça. I don't joke with witchcraft. Ben, vous n'êtes pas camarade, vous allez manger. T'as eu ton coup de terre plongeant, t'es tombé, non? Tu voulais m'essayer, t'es tombé, non? Hein? Ah, tu te demandes pas, ou bien? Oui, je suis là pour toi. Oui, ça coûte de toi, je suis là? Oui, prophète. Attends, ça coûte de toi, je suis là? Am I here for you? Ici, là, c'est déjà quatrième. Non, laisse pas, ici, là. Here is no reason to protect. Moi, mais il me lave, puis il voit derrière des églises, je me lave, là. Je chante la gosie, et puis il vous voit, il lâche, il lâche, il lâche. Then, and you put him on here, in the four corners of the church. Non, on va trouver des choses ici. C'est le boulot le plus risqué au monde. Mais on a eu la confirmation convaincue qu'on est dedans. On arrive bientôt à Boisflay, le premier choix à Boisflay. J'ai maté la sorcellerie de Boisflay. Amen. J'ai maté la sorcellerie. On a déjà préparé notre t-shirt, notre casquette, brigade anti-sorcier. On met banderole, brigade anti-sorcier. La première fois, on va faire tout ça. Pour que la Côte d'Ivoire soit libérée. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est spirituel. Voilà, c'est spirituel. Vous allez libérer les régions. On arrive. Amen. Nous serons à Zego. Je vous informe, nous serons à Zego. Nous serons à Gagnoua. À Soroku, c'est Soroku, non? Nous serons à Soroku, à Gagnoua. Après tout, on arrive. Amen. Nous serons à Limé. Après tout, nous serons à Bangourou. Après tout. Allez. Demandez à vos chefs Satan, là, n'a qu'à vous équiper. Cette année, oui. C'est cette année. Amen. Amen. Tous vos canaris, j'arrive à quoi faire. When they are far. On arrive. But I'm coming. Le premier, le convoi va débarquer. Amen. Vous allez voir la brigade, on va écrire la brigade anti-chorché. Nous venons vous détruire. Nous sommes pas là pour s'amuser. We're not here for joking. Oui. Quoi, oui? Je dis, je l'ai découpé. Non, mais lâchement, tu as fait là. On parlait de ça d'abord. Et puis ton couteau plongeant, le Saint-Esprit, il dit stop, lui là, on ne le mange pas. Amen. Il n'est pas mangeable dans une sauce tomate. Laisse-le tranquille. Tout cela d'abord, avant de parler des rêves. Je suis en train de donner du temps. Sinon, je vais pas giving you time. Je n'ai pas fait de sorcellerie. Je vous moyens avec la puissance de Dieu. Donc, vous ne dites rien. Quand on est en face de vous, là, parce que ce que vous dites là, c'est pas beau. Je what you are saying is not j'ai tué, j'ai right. Mangé, j'ai découpé. Correct. En quoi c'est juste understood. Vous gâtez l'esprit des gens, vous souvenez notre esprit. C'est parce qu'on a envie de vous aider. Donc, c'est le petit temps que je t'accorde, il faut parler. You. Oui. Non, je n'ai pas entendu, oui. Oui, il faut dire ce que tu as fait. You need to say what you have done. Vous devez trouver. Révérence, on va dire frère. Ah voilà. Il n'y a pas rien frère, non. Il n'y a pas rien frère ici. 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 Il n'y a pas rien frère. Everywhere. On va t'écouter. Explique ça d'abord. Et puis on va partir. Explain it. Prophète. Oui, j'ai fait. Tu as fait quoi? Quoi de dire? Ah, tu as pas un frère ici. Bon, tu viens être délivré. You want to be delivered. Et puis tu pognes un frère. Dans la cour de l'église. Ça, c'est un emboutement. Hein. Si tu as l'esprit, ça. T'as cassé les narines. You can have a cancer. Ah, pognes un frère. On dit quoi? Gugnon frère. C'est pourquoi? Why did you do that? C'était pourquoi? Ah, c'est bon! Prophète, pour rien. Nothing. Neuf fois, t'as besoin de sortir, neuf fois, c'est cash. Mets à l'aise, à l'aise. Mais pour ton neuf fois, tu as fait là, j'ai pas vrai neuf fois. It's not. C'est un gugnon frère. It's parting from witchcraft.
Or, pour déstabiliser les quatre coins, parce que le chiffre 4 c'est le chiffre de la stabilité. I know that. Le chiffre 4, figure 4 c'est le chiffre de la stabilité. Figure of stability. Je vais vous montrer les actions prophétiques qu'on a déjà faites. On arrive. You've never seen. Matin, je couille, je suis allé faire une heure de sport. Je couille, je vais avoir le souffle. Quand je descends dans la voiture, allez-y, j'ai dit aux gens, allez-y, dévancez-moi. Puis je descends. Je marche courant dans le village. Celui qui dit les sorciers, il n'a qu'à venir s'arrêter devant moi. Nous, notre ministère là, c'est pas nous montons la puissance de Dieu. Ils ne sont pas venus à Jésus et moi ressuscité. Bon, on te montre la puissance de Dieu et tu te convertis. Amen. Show your power. God, notre travail là, c'est pour montrer la puissance de Dieu. Tu as fait comment pour nous en How did you manage? Pour parler, j'ai pas le temps. Oui, j'ai dit, j'ai fait. Quoi? J'ai lâché. Pour faire quoi? Pour embouter. Pourquoi? Why did you want pour lui traduire. Ce qui t'a envoyé là, ce qui est venu à elle, elle a fait gougnon flou partout ici. On l'informe seulement. Elle a qu'à laisser l'ombre de secours. Elle est passe. Non, vous voyez que la société est bête. Toi-même qui veux le sang, c'est toi qui veux manger. C'est moi qui m'a le chef de livrer. M'a le chef, le chat de village. Moi, tu le délivres. Je suis couché dans ma chambre, il veut me manger. Elle sort du monde. Il est sous moi. Il s'est couché. On est quitte le village à cause de sa société. Moi, je suis devenu ton éditeur. Moi, je suis couché dans ma chambre, tu veux manger. Là, je suis sorti, mon ami. Il y a quoi? And I came out and said, what's up? Non, je voulais essayer. Bon, essayez la scie, no, I wanted to try. Bon, tu as venu essayer. Oh, ce coup de tête plongeant, tu en avais fait là. And you wanted to give me. Si ça headache. Touche quelqu'un, tu as lancé une fois. You gave it one star, one time. Et tes bergers là, c'est mauvais. Leur cœur là, c'est mauvais. They don't have good hearts. Donc tu veux être délivré. So you won't be delivered. Non, 5 minutes sera délivré. Within 5 minutes, on a cette onction là ici. We have this anointing here. C'est tout. Tu as fait quoi maintenant? What did you do? Tu sais, je te regardais. Moi là, je m'en fous. Ta sorcière, ça me dit rien. Je reste longtemps à la maison, je vérifie spirituellement. I stay for a long time at home. And try to see sweet things spiritual here before coming. Pas église, because ça, the church, brigade. It's not a church like that. And we know that. So parce qu'on vous dénonce, on gâte votre truc. Oh, so because dans chaque jour, vous allez faire des pièges. Every day, making traps. J'ai quitté silence. I was looking at you. Ton pouvoir, tu n'as plus de force, c'est ça? You no more have strength. Hein? Is it? Faut parler. On est quand tu assises, tu parles pas, hein, tu es à l'aise. Allons-y. Oui, je suis venu pour ma délivrance. So I can. Ça, on a déjà entendu ça, c'est un chapitre qui est déjà passé. Oui, de parler de lâcher là. Bon, oui, lâcher là d'abord. Faut parler lâcher là, vous venez sur l'autre côté. Stop with your farting. Lâchez, lâchez, lâchez. My farting. Vous faites quoi, lâchez moi. Tout le monde lâche, mais pour toi là, ton lâché là, ça fait comment? But how did you manage? Tu me demandes. J'ai lâché. Vous faites quoi ici? Why? Hein? Mais c'est difficile dans ta bouche, pourquoi? Why is it difficult? Si tu n'as pas envie d'être délivré. Ah, si tu dis, si c'est difficile dans ta bouche, c'est que tu ne veux pas laisser. Quelque chose veut laisser. Ça, il doit laisser, prophète. Veux... Mais parle ou bien? Je parle. Non, tu ne parles pas. You don't talk. Je parle. Attends, on te force ou bien? Non. C'est moi qui t'ai envoyé. C'est moi qui t'ai demandé de venir ici. Jamais. Ah. C'est moi qui t'ai envoyé à l'église. Non. Oui, parle. Toi, tu vas à l'église, tu lâches. Lâchement spirituel. Je suis sur les Gougne-fleu.
Allons-y. Oui, j'ai lâché. Et pourquoi? Pour envoûter le coup. Mais oui. Comme ça, nous, on n'a pas de force. Lâchement va rendre nos narines. Tout à vous. Ça va donner une usine, immigrer après. Enter in our cancer nose, de cerveau. Give us red cancer in our teeth. Donc, on a te remercier. Hey, t'as lâché. Do you want me to thank you? On a te faire quoi? C'est le mal que j'ai fait. Donc, bon, vous allez. Tu as déjà fait, vous demander pardon. Mais tu as déjà fait beaucoup. Tu viens à la brigade. Et tu peux délivrer. The score to be delivered. Tu lâches. And you fought. Hein? Je vous demande pardon. Bon, moi, je te pardonne. Mm-hmm. Tout ça, c'est géré. Maintenant, tu as fait quoi? Non. Bon, what did you do? J'ai fait quoi? C'est... J'ai dit, j'ai tué mes enfants. Mais dis, j'ai tué Eric. J'ai tué Philomène. C'est Hervé ou c'est Eric? Il y a Eric. Non, il y a Hervé. Ah, mais c'est si Hervé a commencé. Hervé. Comment t'as tué Hervé? How did you kill Hervé? Je l'ai découpé. I killed him. Tu as pris, tu dis découper là. J'ai pris ma chair, il était couché, il est allé le découper. C'est ça, on veut les petits détails, ça nous intéresse. We need details. Lui, il n'était pas avec moi, il était au Ghana. Oh! Je l'ai découpé, couché. Sorcier, il ne peut pas aller au Ghana. Si. Pourquoi m'énerver? Bon, si tu ne veux pas parler, allez, va, 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 lève-toi, pipa. Hé! Tu veux pas parler, faut partir. Je veux parler, je suis en train de parler. Mais tu parles pas, tu me dis il est au Ghana. Il a été couché et il est découpé. Donc comment tu as fait parler le découpé? Vous sleeping in a cut mouth. Nia, faut t'asseoir. Corps transé. Corps transé. Je suis parti le trouver là-bas et puis je l'ai découpé. Comment? Tendez. Non, non. Comme ça. Et il a dit. Je suis parti le trouver là-bas et je l'ai découpé. Mais comme ça, comment? Tu as pris Caïs, tu as pris JP, tu as pris avion. But how did you je me suis retrouvé là-bas en car. Madame, quittez devant moi, allez-y. Hein? Vous êtes venu m'essayer, c'est ça? Pardon, vous êtes venu m'essayer. Pardon, prophète. Vous êtes venu m'essayer. Non. Vous êtes venu m'essayer. Non. Vous êtes venu m'essayer. Je n'ai pas. Je ne suis pas venu pour vous essayer. C'est ce que j'ai entendu dire là, c'est normal. Vous savez où jouer. Sorcier prend cas. Sorcier prend cas. Adam. The sorcerer's take off. C'est un culte, tu veux prêcher. C'est l'envie de te délivrer là. Qui fait que ça regarde. Sinon, tu as lâché ici là. Il peut venir te détruire. I can even destroy hein? It. Mais pardon, comment tu as tué ton fils comme Hervé. How did you kill your son, Hervé? Je suis parti le trouver couché. Comment? Je suis parti. C'est comme je me suis envolé. Mais il y a quelqu'un tombé aidé. Il y a comment tu es parti? Someone that we want to help. Hein? Hein? Non. Me pas. Pourquoi? Bon, je ne te laisse pas. J'ai quel intérêt à ne pas te laisser? It's my interest. Tu fais quoi ici? Tu viens là chez moi? Tu fais quoi? Je ne vais pas te laisser. Just give me the fight. Je ne te laisse pas comment? Mais délivrer, il faut parler ou bien? C'est comme si on était forcé. Ah, tu es venu d'où? D'Abidjan. Mais d'Abidjan, c'est 2h15 minutes pour arriver à Divo. C'est pour venir jouer à nous comme ça. Là, il m'est venu t'aller chercher ici, t'as envoûté le coin, on t'a pardonné. You have bewitched. Parle, on va te délivrer. Il a dit, il me suis envolé pour partir. Mm. I flew. Allez, le trouver couché, il est découpé. Mm, tu l'as découpé. Ton propre fils. Your own son. Il t'a mangé. Oui. Ok. T'as tué qui encore? Boaz. J'ai tué l'autre encore. Il s'appelle Herman. Je l'ai tué aussi. Comment tu as fait? I killed him. Je l'ai découpé aussi. I cut him up. Je l'ai mangé aussi. Tu t'as pas volé ta machine? Là, on était ensemble. Où? We're together. In Abidjan. Comment tu as fait?
How did you manage? Il était couché aussi. Et puis? He was sleeping. Non, la manière que tu as fait là. Pour vous voulez dans le dépecé là. On était dans la même maison. Oui. Oui, in the same house. Ça m'a pris et puis je suis parti de ce côté. Ça t'a pris comment? De le tuer. Comment? À quelle heure il dormait, il marchait dans la maison? Il dormait. Il était couché, il dormait pas. Et puis toi, tu allais le dépresser. They went to count hein? Je vous demande, madame. Oui, 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 prophète. Attends, on a tenté de jouer, nous, bien. Je n'ai pas envie de parler. Je veux parler. Chez nous, là. Je n'avais pas envie de parler. Hein? Si je n'avais pas envie de parler, là, je n'allais pas. Mais tu peux faire semblant de venir, hein? Ah oui, hein? Parce que tu es venu ici, puis tu as lâché déjà, non? Lâchement, tu as fait, là, c'est pour nous embouter. Troisième, c'est ma nièce aussi. Elle aussi, elle avait. Je lui ai donné une maladie dans son ventre. Quelle maladie? Dans son utérus. Elle a eu un cancer de. Je lui ai donné un cancer de utérus. Cancer de utérus? Comment tu as fait pour donner cancer? How did you manage to do that? Je lui ai donné comme ça parce que c'était le sang, quoi, et puis. Je l'ai donné pour qu'elle ait mal au ventre. Tu n'as pas répondu à ma question. Comment tu as donné la maladie? Comment really sick, tu donnes une maladie? How can we give? J'ai pris how do you give la maladie qu'elle a et que je l'ai lancée. Tu as dit ça où? What did c'était comme ça dans ma main. Et dans mes pensées. Hein? Dans mes pensées. Ah non, tu as dit, il faut qu'elle ait cancer. Uterus. Oui. Puis c'est venu à ma mort. Je te demande. Oui. Ah, moi je sais pas comment tu fais. Oui. Oui, oui, prophète. Et puis tu l'as vu souffrir. Oui, prophète. Elle a souffert devant toi, tu l'as vu. Oui, prophète. Et tu sens fait. Elle est morte. Oui, prophète. Et tu died. Pourquoi tu veux voir quelqu'un? Why do you do that? Quand elle est morte, tu l'as mangé. Non, prophète. You eat them. Tu as vu le sorcier qui jette viande? Have you ever seen sorcerers? Froze. On a mangé. Quelle partie? Which part? C'est la viande. Quel morceau de ta viande là t'as mangé? La chair. La chair. J'aime les côtes, les tripes. Je vous demande, répondez-moi. J'ai pas mangé de. J'ai mangé la chair. Quelle chair? The flesh. C'est partout là. Comme ça. C'est les côtes. Mm. Mais c'est pas chair qu'elle a pas. Chair c'est dans le cul ici, voilà. Ah, vous voyez chèque là-bas. Madame, je serai obligé de vous libérer. Allez-y, Abidjan. J'ai mangé la chair. Hein? J'ai mangé. Allez-y, Abidjan. J'ai mangé la chair. Non, je suis obligé de vous laisser. Prophète, pardon. Mais pourquoi me pardonner? Pardon, prophète. Vous quittez Abidjan. Pardon. Vous venez non seulement vous lâcher dans le sang pour envoûter le coin. Pardon, prophète. Vous voulez me têter. Tout ça, il regarde. Donc, vous étiez venu m'essayer ou bien? Pardon, prophète, je ne peux même pas. Non, toi, c'est pas toi qui as dit ça. Mon alliance, nous sommes tous chrétiens ici. Oui, oh, nous croyons en Jésus. Tu ne peux rien contre un enfant de Dieu. Non, mais ce n'est pas moi. The son of God. Tu peux rien. Pardon, prophète. Toi, tu lui dis, il est marié cher, puis tu touches quoi? Tu es en train de jouer, tu nous distrais ou bien? Pardon, c'est la chair. Pardon, c'est amusement de venir faire. Hein, la chair là, ça a une partie. Quand tu mens un morceau de pied de poulet là, c'est elle, c'est Jésus. Tout le monde en maille vient ici. Mais pas pour l'homme là. Hein. C'est pour vous qui m'aillez pour l'homme. C'est vrai, pour qu'il précise. Moi je suis un bizarre là. Vous voyez bien nous marcher, puis c'est pour l'homme qui nous intéresse. C'est bien de l'homme, c'est doux. Oui, prophète. C'est doux. Oui, prophète. Yes. Ok, qui encore? Après aimant, t'as dit qui? After man. Là, c'est ma nièce. Là, que ah, la nièce, oui. Après ta nièce? Mon neveu. My niece. Il n'a pas mon de nom. Petit-fils. Ton petit-fils. The grandson. Il n'a pas de nom. Bon, ok, ton petit-fils, oui, tu l'as tué comment? How did you kill your grandson? Moi aussi, j'ai pris sa viande aussi. Tu l'as tué comment? Je l'ai tué. Tu as vu, regarde comment tu es en train de fatiguer. Tu l'as tué avant de prendre bien ce qu'on tue. Tu l'as tué comment? How did you kill? Il a été malade. Oh,
He was sick. Il était malade. Je l'ai tué et puis il a été malade, puis il est mort. Je l'ai tué. Quoi, Abidjan? Hé! Va, va, Abidjan! Conseil de russe. S'il est mort d'une maladie, qui a donné la maladie? C'est moi qui a donné la maladie. Il avait diarrhée. Il a donné la maladie. Mais tu as dit que tu as dit ça ou bien? On a dit que tu forces, oui, tu es malade. Il faut qu'on te force. Tu forces. Je n'ai pas venu. On t'a pas forcé pour être ici. We did not force you to be here. Ok. Il a donné mon rôle de vente. Il avait la diarrhée. Il est tourné. Il a eu la diarrhée. Et puis il a mangé, je l'ai mangé. Quelle partie tu as mangé? Which part did you eat? J'ai mangé. Son bras. Ils ont travaillé là, c'est difficile. T'as tué qui encore? Who else? Et j'ai tué. Ils sont tous sur le fond. Ils font semblant de vouloir parler. Oh, c'est un semblant. Dans le fond, c'est rétracté après. J'ai tué ma fille Philomène. Qui est mort? J'ai coupé comme ça. Hein? Je l'ai coupé. Lève-toi, puis montre comment tu as coupé. I counted them. I counted her. J'ai pris plutôt fendu en deux. Elle dormait où? Elle est assise. Hein? Elle est assise. Où? Chez moi. Ah, ta fille, elle ne dormait pas. Ah donc ta sorcière est dangereuse, hein? Même dans la nuit, dans la journée, tu fais ça. Comment elle a fait? Comment elle a fait? The practice of the day. Elle est assise sur un arbre. Expliquez, madame. Elle est assise sur un arbre. Ah, mais expliquez. Et puis j'ai pris la machette pour la diviser. Pour la diviser en fond dans deux. Elle est morte. Elle n'est pas morte. Oui. Quand tu as divisé en deux, elle est là. Et tu as fait quoi? Je vais vous dire. Tu sais pourquoi? C'est pour. Je l'ai vu. Diviser, ça l'a rendu malade ou bien? Non. Donc elle va mourir. Oh, ça veut dire qu'elle doit mourir. Going to die? Non, ça veut dire qu'elle doit mourir. Oui. Ah! Et tu as fait quoi encore? Et Eric aussi était couché dans son lit. Eric aussi était couché dans son lit aussi. Je l'ai coupé. Je vois le sang qui descendait. Tu as écorgé Eric aussi. Il est où? Il est là. Where is Eric? Tu as fait quoi? Il fait quel travail? Il fait un contrat à l'époque. What is his job? Et l'autre? Elle fait un commerce de nourriture. Nourriture. Tu as gâté qui encore? Et puis, whose life did you destroy? J'ai mon fils aussi. Mon fils aussi. Lui aussi, je l'ai tué en fusil. I killed one of my sons with. Il est là. Again. Là comment? Je l'ai tué en physique, je l'ai coupé. Donc tu as gâté tout de toi. To kill me. And chopped him. À part, oui, allons-y. Et ma petite fille aussi. And my granddaughter. Elle aussi, je l'ai tué. I also have killed her. Elle aussi, je l'ai tué, je l'ai divisé en deux aussi. I chopped her head. Pourquoi tu fais tout ça? I don't know what's happening to me when doing that. C'est sorcellerie, c'est moi, c'est dans ma bouche, tu vas attendre ça. C'est la sorcellerie. C'est ma bouche, tu dois attendre ça. C'est la sorcellerie. Quand quelqu'un fait ça, il est quoi? Je suis sorcière. C'est moi qui l'ai donné. Non. Comment tu as eu ça? Il a eu le chef. How did you get? Je suis né avec. Tu es né avec. Born with it. Ça veut dire que tu as beaucoup mangé. Vous devez avoir quel âge, pense. Excusez-moi. Moi. Vous devez avoir quel âge? Je suis né à 50. C'est quand tu es rappelé? 66 ans. Donc ça a été à manger beaucoup. Quel tout. Et moi, j'ai mon petit-fils aussi. Mais tu as gâté quoi? Le produit est détruit. Oui, à part tuer là, tu as gâté qui, tu as fait quoi, tu fais quoi dans la vie des gens? Dans la vie des gens, ce sont mes enfants là que j'ai gâté. Hein? Ce sont mes enfants que j'ai gâté. Comment gâté, comment? Que j'ai tué. Tu as gâté la vie de qui? Whose life is destroyed? Ma fille, donc j'ai découpé là, elle devait travailler, elle n'a pas travaillé.
The one that chopped her, my daughter, I destroyed her life. Un jour, je l'ai vu attachée. I saw her tied. Je les tiens quoi? Tu l'attaches au moins ou un jour tu l'as vu attaché? Je l'attache. Comment tu as fait pour l'attacher? Parce qu'on est tight. Je suis dans la société. Comment tu as fait? Je l'attache au moins. Tout est un nab. Je suis un nab. On the tree. Je suis un nab. On the tree. Là. Mais comment tu as pris pour l'attacher si à? But how did he manage? Elle est arrêtée, la vie de l'attaché. She was standing and I did it. Elle est arrêtée, la vie de l'attaché. Est-ce que vous voulez être délivré? Faut appeler sa sœur. Laissez la chaise d'attaché. Il faut lui dire, je voulais l'aider, mais elle ne veut pas qu'on l'aide. Tell her that I wanted to help her, but she does not want. Oui, là, dis-nous ce que tu as fait. Je mange la viande. Tu nous prends pour les enfants. Je suis venu pour ça. Pardon. Que tu me libères pour que je dise ce que j'ai fait. Et toi, moi, qui dois délivrer son camarade? C'est toi qui fais. Je t'ai dit, voici comment il doit te délivrer. Et toi, tu ne fais pas. Tu veux qu'il fasse quoi? Tu veux qu'il fasse quoi? Non, comme tu m'as demandé, j'ai gâté. J'ai dit non. Parce que je sais ce que tu as fait. Tu n'as encore rien dit. Tu n'as encore rien dit. Tu n'as encore rien dit. You haven't said anything yet. Pourquoi tu te rétractes? Je demande pardon. Non. Si tu vois quelque chose. Non. Non. Je ne suis pas venu à ça. Quand quelqu'un est né à la sorcellerie, il a trop fait. Nous, on veut t'enlever le principe pour quitter dans la sorcellerie. Il faut que ça sorte de ta bouche. La confession, les aveux. Quand tu parles. You need to talk. Que ça sorte de ta vie. So that they can turn out from your life. C'est moi qui passe une révélation. J'ai révélé ce que j'ai fait. I have already revealed. Frère, ça c'est fait. Maintenant, toi, ce que tu as commis comme péché, dégage. Ça doit sortir de ta bouche. Her actions, this must come from your mouth. Je vois les gens, je n'ai pas pu payer. Tu ne manges pas, fais juste des gens, roussais des gens, tu ne gâtes pas sur céleri. Tu ne gâtes pas ça. Fœtus, bébé, qui t'en vend des femmes. Quand tu manges, quand la femme enceinte, tu ne gâtes pas sur céleri. Don't you destroy them? Un jour, j'ai vu. Non, tu gâtes. Où tu fais? Si, j'ai fait. On va à Abidjan. Allez, va te dire. Vous voulez être délivré? You want to be delivered? Vous voulez être délivré? Do you want to be delivered? Tu veux parler? Would like to talk? Bien petit. La femme qui t'a bien, elle est repartie. Hein? Venez, madame. Hein? Je suis comme son père, son tuteur. Ah, ok. Vous savez qu'ils sont vous faire signer le protocole, d'accord? Parce que nous filmons nos séances. Ouais. Vous l'avez envoyé pourquoi ici votre enfant? Why did you bring him here? Nous l'avons envoyé parce que moi je suis c'est l'enfant de ma petite sœur, je me présente. Ok. C'est ma petite sœur. Ok. Qu'est-ce que votre sister? Elle a eu quand elle était encore élève. Ok. Et moi je travaille donc j'ai récupéré très petit. Ok. Depuis 9 mois il vit avec moi. Ok. Depuis un certain temps j'ai traversé des problèmes. Was crossing the levels. Avec déjà mon premier foyer. Okay. Donc, je suis marié de la mère de ma fille. Et je suis remis encore en ménage avec une autre femme. Et lui-même, un matin, il a fait des aveux. Il confesse. Il dit que c'est ma tante, qui est lui sa grand-mère. Okay. Elle a
nuit qui est précipité, qu'il avait invité à manger. Il était à la base de tout ce qui arrivait dans mon foyer familial, le problème, et aussi il a fait des choses pour sa maman. Il est dans le cas sa maman, il sait un concours, ça échoue au niveau de la vie, quand elle essaie de faire un commerce, ça va sa maman. Donc il a fait ses aveux là. Ok. Il est confesse. Merci. Surtout, merci de l'avoir envoyé parce que toute personne, quand ils constatent que les enfants sont sorciers, subissent une maltraitance. Et nous voulons, nous combattons cette pratique. Parce que pour nous, l'enfant ne doit pas être symbole de maltraitance. L'enfant doit être protégé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons créé une ONG pour protéger l'enfant. L'enfant n'est pas innocent. Ce qui est intéressant dans ce que vous avez dit, c'est que l'enfant a été initié à la sorcellerie. Voilà. Donc, c'est ce que nous allons faire, le délivrer. Parce que s'il n'est pas délivré, il va continuer de faire des dégâts. Or, pour être délivré, il faut qu'il fasse des aveux. So he must confess first. Voilà, donc j'aimerais que tout le monde suive l'exemple. Si un enfant fait la sorcellerie, ne le maltraitez pas. Parce que la pratique des chicots, les injures ne peuvent pas délivrer un enfant de la sorcellerie. Il faut l'envoyer chez un homme de Dieu, bien sûr, qui maîtrise le domaine pour le délivrer. Voilà, c'est ce que nous allons faire. It's what we're doing. J'espère que vous êtes déjà préparé. Parce qu'il avait déjà commencé à faire chez vous les aveux. Voilà, parce que ici, vous allez tout entendre. Hein. Voilà, vous allez entendre mettre les choses à couper le souffle. Mais le retour fini, il faut qu'il y ait l'esprit du pardon. Et puis, vous devez l'accepter après la délivrance. Et puis, bon, la vie continue. Et nous allons le suivre aussi après, parce qu'il y a aussi un dossier ouvert ici. Il y a un suivi. Nous allons lancer des coups de fil pour voir. Après le sang, est-ce qu'on le suit, est-ce qu'il est bien traité? Parce que nous savons que cette ONG que nous dirigeons aujourd'hui, c'est pour protéger les enfants. Voilà. Que Dieu bénisse. Sais-tu comment tu t'appelles? Your name? Donald Morel. Ok. Donald Morel. On t'écoute. Qu'est-ce que c'est pas dans ta vie? Qu'est-ce que tu as? What's happening? La sorcellerie. Comment tu sais que tu as la sorcellerie? How do you know that? C'est ma grand-mère qui m'a initié. Et comment elle t'a appelé la nourriture? With food. Ok, on écoute. Elle a mangé, elle m'a donné. Dans le micro, c'est la plus à l'aise. Elle m'a donné du riz avec la sauce. Give me your eyes and talk. Et puis avec la viande dedans, elle m'a dit de manger. With meat. Et manger. Le soir, elle est venue me chercher. Elle dit, on dit tuer les gens, elle a envie de faire des péchés. Make sins. Et puis on dit faire du mal aux gens. To do bad to people. Et quand elle est partie, oui. J'ai gâté la vie de ma maman. Oui, ta maman. Bien. C'est ta maman. Qu'est-ce que tu as gâté dans sa vie? Pour les détruire. J'ai gâté son foyer. Tu avais dit. Elle est belle. Tu as gâté son foyer? Oui. Explique. J'ai eu une relation sexuelle avec elle dans le monde. Tu couches avec elle. Oui. Tu as parlé en français. Une relation sexuelle. Ouais. Mais c'est bon qu'il s'exprime bien en français, c'est bon. Il a eu une réglation. Tu as quelle classe? CM2. Voilà, très bien. Primary school. Student. Très bien. Tu as pris quelle classe? Quelle classe? La dernière classe de composition. Je dis que la dernière composition. Tu as pris quelle école au CM2? J'ai pris 10, 11e. 11e, très bien. Ok, comment tu as... How did you... Tu as eu les rapports sexuels avec ta maman? En les présent, tu faisais quoi? Pour l'empêcher de se marier. Pour l'empêcher de se marier. From getting married. Donc quand un monsieur vient vous dire, ah madame, vous êtes belle. Et toi tu fais quoi? Pour dire. Je me fâche. Tu es jaloux aussi. Donc le petit sorcier se fâche. Vous dites, bon, c'est ma femme. Si tu la prends encore, on sera deux aussi. La femme. Tu me n'as pas là. Comme toi, tu es le moins. C'est ça, non? Là, il est petit, mais il a une force spirituelle. Yes, attention, hein, vous parlez là. Vous n'êtes pas Jésus, c'est un enfant qui va vous attraper, manger sauce aubergine. Hein. Donc le petit fait, donc tu chasses les gens. Et comment tu fais pour chasser les gens? La nuit, quand il dort, je fais du mal. Non, quand le monsieur vient pour... donner au moins la maman, toi tu veux les... Je vais en déranger. Oui, c'est ma place. Monsieur, tu fous quoi là?
Donc toi tu dors pas la nuit, hein? So you don't sleep at night. Tu t'envoles. Au moment où les gens dorment, toi tu fais comme chat. Tu fais quoi encore? Tu as fait what quoi? What else did you do? J'attache mon... Où est? Oh, my uncle. Hein? Où est? Ah! Un grand comme ça, et l'enfant comme moi. Tu l'as attaché. Tu as force pour attacher les messieurs. Tu as fait comment? How did you manage? Il a percé sa main pour pas qu'il n'a jamais. Dès qu'il a l'argent, ça se gâte. Oui. Maintenant, comment tu l'as attaché? Il est plus en forme que toi, quatre fois. Tu as fait comment pour aller attacher ton tonton, ton papa? Chaque soir, quand il travaille, il se discute de sa femme. Oui, ça c'est ce que tu fais. Maintenant, tu dis que tu l'as attaché. Ou bien tu as gâté ces choses, c'est ça? Oui. Voilà, explique ce que tu as fait. So, explain what you have done. Son foyer. Son foyer. Elle s'appelait. Comment tu as fait? Oui, la société avait sa femme. Ah. Good, a security course. Toi, ton truc là, ça. Tu n'as pas de limite, hein? Ça va ici, ça va ici. C'est dangereux ton truc là. C'est move mais non bien. You are really dangerous. We have no limit. C'est très dangereux. Ça va ici, ça va ici. Donc tu as une réaction à ça. So you get sexually divorced a little bit. Surprise. Et puis tu l'as chassé. You chased it. Tu as fait quoi encore? J'ai attaché mon grand-père. Attends, Marie. Comment t'as fait? Il a donné une maladie. Quelle maladie? Yes. Par lui. Pour qu'il meure le 10 février. So now you can die the 10th of February. Donc, comme il a donné cette maladie, on va à l'hôpital. Ne pas qu'il meure. Donc, ne pas qu'il meure, j'ai aggravé plus la maladie. Maintenant, comment tu arrives à aggraver une maladie? How can you worse? Comment tu arrives à donner une maladie et comment tu arrives à aggraver une maladie? How can you worse the sickness? Il m'a donné une maladie. Mm-hmm. Il rentre dans son corps et puis je lui fais la maladie. Il prend la maladie de quelqu'un d'autre. Ah, tu es capable de rentrer dans le corps de quelqu'un. Comment tu fais? Someone's body. Je me transforme. Hein? Je me transforme. En quoi? I change myself. En serpent. Et puis tu rentres dans le corps de quelqu'un. And enter someone's body. Et puis tu attires une maladie qui est quelque part pour rentrer dans le corps de cette personne. Il va voir. Ok. Et puis encore, j'ai mis l'âme de ma maman dans la boîte. And I put the soul of my mom. C'est-il là? The box. Dans la boîte, t'as fermé? Et puis j'ai enterré la boîte. T'as enterré la boîte? I buried the box. C'est pourquoi? Why? Pour qu'elle meure. So she can die. Ta propre maman. Et où t'as enterré la boîte? When did you bury the box? Où j'ai enterré ça? Dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel. Tu as fait quoi encore? Il y a des choses qui vous arrivent, vous pensez que c'est naturel. Et vous vous faites avec. C'est la stratégie du démon. C'est d'accepter la chose et de faire avec. Or, on ne fait pas avec. Quand tu trouves quelque chose d'anormal, il faut aller vers Dieu pour qu'il règle ce problème. So that I can solve les gens finissent par accepter et puis ils vivent avec. Finalement, ils vivent avec et puis ils disent bon, c'est que je moi j'ai fini par vivre avec, ça va aller. C'est la stratégie de Satan. Si vous n'acceptez pas la chose, vous aurez une délivrance. It can have deliverance. C'est pas normal qu'une fille belle, très belle comme ça. It's not normal that a very pretty woman like Marie, that. Hein? Not married. Quand c'est pas marié, le petit me dit allez mettre dans boîte maintenant. Pour fermer là comme ça, on va plus te voir. Moi, je suis déjà allé déterrer le passeport dans le tombe. Moi, il y a des agréables. Donc, fermer. Et voici, là, on est allé dans un village à Soubré où le monsieur a pris une moto. Vélo. Il allait. Son fils. Voyage à son fils. C'est quel village là? Clemlin. Bogreco. On connaît le village à Bogreco. Le monsieur voulait voyager l'enfant et le papa il dit ok, allez, c'est l'enfant. Là, le visa chegay. 19h, il va aller prendre le vol de 20h. Premier taxi l'a appelé, la compteur. Et quand il est monté dedans, le taxi m'a dit non, il y a un petit panneau poussé seulement. Donc on essaie un nouveau Bengis, là, costume, il laisse costumer son passeport dedans.
destination inconnue. Le monsieur a parti le taximètre. C'est après ça, son papa dit c'est lui. Il s'est transformé en taximètre pour faire bloquer, empêcher son fils. Pourquoi il n'a qu'à venir sur mes 2 hectares de cacao vaincus. Oh, il ne s'est pas roulé vélo. Tu as le merci, papa, le Congo va tomber. Tu as fermé, touche ta maman. So he did everything. Tu as fait quoi encore? J'ai tué 2 personnes. Okay. Deux, comment tu as fait? J'ai pris maladie de quelqu'un d'autre pour tourner en live. Vous qui nous suivez déjà en direct sur le live, vos Facebook live, nous informons que la même chose qui arrive à une grande personne, s'il y a partie de la sorcellerie, il y a des grandes personnes, les enfants s'y ont fait. Et la stratégie du diable, c'est d'initier les innocents. C'est-à-dire ceux à qui on ne s'entend même pas. On pense qu'il ne peut pas faire. Eux-mêmes qui sont les plus dangereux à battre de sorcellerie. Et je vous informe que ce n'est pas moi qui l'ai envoyé ici. Ce sont ses parents. Il avait déjà fait des aveux. Ce sont ses parents qui nous ont envoyé l'enfant pour le délivrer, bien sûr. Nous voulons voir une nation délivrée. Nous voulons voir des familles délivrées. Regardez une femme qui est la mère et le fils qui est envoûtée. Problème de mariage, problème de prospérité. Son père, problème de mariage. Il y a des difficultés dans son foyer. Il a cherché la première fois. Il continue d'agir. Sa main est percée. Son argent n'arrive pas à rester. Et beaucoup de personnes vivent avec ça. Et dans un silence total. Dans un silence, ou peut-être qu'ils ne savent pas. Mais ils ont compris qu'il y a quelque chose qui est anormal dans leur vie. C'est cela que si vous savez maintenant qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous devez chercher le chemin de Dieu. Et la seule solution, c'est Dieu qui peut vous délivrer. Je vous informe que c'est une réalité. Ne voyez pas ça comme de la plaisanterie. Les Blancs ont combattu la sorcellerie au Moyen-Âge. Alors ceux qui sont déjà en direct avec nous, vous pouvez répondre, vous donner les contacts, et puis nous allons répondre pour vous aider spirituellement. Oui, c'est la même envoyé un SMS sur l'Ida. Bon, par rapport à mon programme de travail, le dimanche venu, j'ai assisté pour sa délivrance. Donc je dis ok, bon, je verrai. L'assiette, ok. Même dans 30 minutes après, je suis allé prendre mon bain. C'est bon, Dieu m'a appelé pour dire ah, tonton, il y a le feu dans la chambre. Il y a la chambre à plus feu. Was fire in my room. Ça a plus feu. Les appareils, des villettes, parce que tout le matelas doit brûler. Donc c'est une série de malédictions, une série de mauvaises choses. Il fallait que, malgré ça, aujourd'hui, je me suis décidé à venir. Ouais. Dieu te bénisse pour le courage. Et je pense que Dieu mettra fin à sa souffrance. Vaut mieux en finir avec cette histoire. Vaut mieux en finir. Voilà, parce qu'on ne vit pas avec, ça ne fait pas avec, mais on finit. Je pense que Dieu mettra fin à cette souffrance. J'en sais quelque chose, tout ce qui s'est passé chez tonton. Qu'est-ce que vous avez laissé dans la maison de tonton? Il y avait quoi dans sa maison, papa? What did you put in his house? On a allumé le feu. On a allumé le feu, moi, ma grand-mère. Non, mais tu ne peux pas ici faire la sorcellerie. Peut-être que tu peux avoir une information sur votre technique de flambée. Parce que, de toute façon, c'est l'armée. Ici, tu ne peux pas sortir. Peut-être que certainement c'est ta grand-mère qui a dû faire cette action. Parce que ici, quand tu es ici, ton âme peut plus aller pratiquer la sorcellerie. Tu es dans une zone où il y a la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste. Ok, donc tu as fait quoi? Quelque chose encore? So what else did you do? J'ai ma grand-mère. I killed my grandmother. Et puis quand elle est morte, j'ai mangé la tête et le cœur. I killed the heart et j'ai tué mon grand-père à son fils. Il avait 6 mois. I killed my grandfather. Les touches en bas sont les baffes. Ouais. Je t'écoute, toutes tes aveux parlent. Tout ce que tu as fait. Parce que ça serait la fin aujourd'hui de la sorcellerie. Ça ne va plus exister en lui. C'est fini. Il a mis la lampe de mon oncle. Ah, la boîte encore. Oui. Lui. Tu as mis la boîte. C'est pourquoi? Pourquoi? Hein? Tu l'as déjà programmé la mort. C'était pour quand? Le 10 mars. Hein? Le 10 mars qui vient. March. Il avait programmé le 24 novembre.
Mais comme on avait prié pour ça, ça n'a pas marché. Pour gagner le dimanche. Ah, il devait mourir le 24 novembre passé. Hein? Ça n'a pas marché. Et puis maintenant, tu as reprogrammé. C'est ce qu'on vous disait, que la vie n'est pas faite d'improvisation. C'est une question de programmation et de déprogrammation. C'est tout. C'est comme ça que la vie fonctionne. Programmer et déprogrammer. Voici le fonctionnement de la vie. Donc, si vous levez à l'aurore, qui est à 3h30 du matin, que vous ne déprogrammez pas, vous allez avoir la mort. On vous a déjà enseigné ça à l'aurore. Il a bien dit, c'était programmé. Comme ils l'ont prié, ça a été déprogrammé. Comme eux, ils sont persévérants. Donc, ils reprojettent encore la programmation. Dans 3 mois. Within 3 months. Et toi, tu dors. Le prophète est en train de prier pour moi là-bas. Ils vont te manger une sauce tomate matin. Là, c'est fini. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qu'il vient de dire? What do you think about what he just said? C'est tout à fait juste parce que la date du 24. Novembre. 24 novembre. J'ai trouvé que donc, moi, ma fiancée actuellement, elle est beaucoup chrétienne. Voilà. Vous avez compris, hein? Et les fiancés chrétiens et des fiancés chrétiens, c'est pas ceux qui vont boire Jack Daniel, qui sont saoulés, qui viennent vomir odeur de coutoucou dans vos chambres. Oui, donc dans la période de fin octobre, quand j'ai commencé à constater, c'est différents mots là dans ma vie, on s'est mis à prier. Okay. On terminait le cheminement et priait à la gorge, puisque nous sommes chrétiens. Okay. Okay. La gorge, les lames de sang, toujours. Donc, c'est ce qui les a perturbés et la date n'a pas pu, le 24 n'a pas pu aboutir. Okay. C'est un peu. Okay. Amen. Ça veut dire qu'il est venu pour qu'on le soutienne. En tant que chrétien, il a essayé sa part, c'est de prier. Parce qu'il y a des combats où ceux ne pouvaient pas vaincre. Because they couldn't win. C'est ça. Hello. C'est pas parce qu'on courait après les miracles. No, because mais running after miracles, c'est un ministère qui est spécialisé dedans. Sa spécialité. Car tous les armes nécessaires pour vous défendre et vous libérer. C'est tout. On se complète dans le Seigneur. On se complète dans le ministère. Et ça, c'est vraiment très important. On se complète dans le ministère. It is really important. Voilà, donc lui, il vient pour qu'on puisse l'aider. Voilà, c'est ce que ça a fait sur la grâce de Dieu. Moïse, à un moment donné, il a commencé à prier sur la montagne et c'était difficile pour lui. Il a fallu lui et Aaron pour soutenir ses mains jusqu'au coucher du soleil. Donc, il y a des gens, vous savez, tout combat, sans un allié, on ne peut pas remporter la victoire. C'est comme ça sur le plan spirituel. Le Seigneur met fin. Moi, je suis prophète du Seigneur. Et en qualité de prophète du Seigneur, la situation que le diable t'a imposée, cette situation prend fin aujourd'hui même, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame que ton foyer soit en paix. Je proclame la délivrance de tes finances dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la puissance de Dieu sur ta vie. Tu veux être délivré? Ça va? Il va toujours à l'école, elle est bonne. Oui, on le suit. Ma fiancée est dans le corps de l'enseignement. Très bien. Qu'est-ce que tu envisageais demain? What would you like to be in the future? Tu voulais être quoi demain? Tu fréquentes, tu vas être quoi demain? Je voulais être comme mon oncle. Il est comment? Je voulais être comme mon oncle. Quel travail il fait? Travaille pas. C'est ce que tu veux être? Oui. Tu l'as beaucoup influencé, hein? Ah, positivement peut-être. Ouais, si, veut ta réponse son nom. C'est tellement son nom qui le met à l'aise. Ah oui. Parce que si son nom ne voulait pas aller, travail de nom là. Non, il n'y a pas, on mange pas bien d'état. On va l'aider. So we can help him. La rentrée prochaine, next s'il est rentré, moi je me charge de cette réponse scolaire. D'accord. Pour vous encourager, et puis aller à l'école. Nous voulons voir une école de voix qui gagne. Merci beaucoup. Et puis nous voulons voir cette histoire comme bien passée. Et pour que demain, il en témoigne de la puissance de Dieu. Il faut qu'il témoigne. Donc moi je prends en charge. Hein, sa rentrée prochaine. Je m'occupe de tout. De la fourniture, de l'habit,
et des chaussures. Close. Parce que ce petit-là, il sera sous-préfet. Il va finir la vie carrière de sous-préfet. C'est ça. Et c'est ça que le diable détruit sa destinée. Il sera sous-préfet demain. Il va faire l'ENA, il va sortir, il sera sous-préfet. Il become sous-préfet. Lâche-le. Release. Fire! 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 Cette manifestation prouve qu'il avait en lui un démon. Il va beau parler à tout le monde. He can even talk to everybody. Mais si on ne le délivre pas, il est sorcier. Le démon est là. Il a present. Alors il faut qu'il sorte. So c'est ça que la Bible dit qu'à mon nom, vous chasserez les démons. Les démons, j'en fous, vous cherchez un corps humain. Qu'il soit petit ou pas, le démon, il vient, il possède son corps. Et puis il l'utilise pour faire ses œuvres, les œuvres du diable. Devil actions. Donc comment vous pouvez imaginer qu'un enfant comme ça, like that, ça vient pas de lui, c'est pas de lui. This is not coming from him. Il est animé d'une force extérieure. It's une force. Because of une force. Another strength. Fire. Aye. Aye. Go. Quitte son corps. Leave his body. Rampe et va. Crawl and go. Rampe. Crawl and go. Rampe. Crawl and go. Toi. You. Toi, you. Toi, you. Le démon, devil, qui se transforme en serpent, will turn into a snake, pour tuer, to kill, pour rentrer dans les corps, and enter people's bodies. Ram, crown, ram, crown. Le feu sur toi, fire on you. Le feu, fire, consume tes œuvres. Je maudis ta présence, I curse your presence dans ce corps, in this body, dans le nom de Jésus, in Jesus' name, dans le nom de Jésus. The power of Jesus. Libère son âme, release his soul. Feu, fire. Allez, go. Tu vas partir. You go. Tu vas partir maintenant. You go now. Lâche-le. Release him. Lâche-le. Release him. Lâche-le. Release him. Lâche-le. Release him. Va-t'en. Go. Va-t'en. Go. Va-t'en. Go. Libère son âme. Release his soul. Release his soul. Libère son âme. 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 Release his soul. Quitte son corps. Leave his body. Quitte son corps. Leave his body. Maintenant même. Right now. C'est un ordre. It's an order. Tu vas partir. You go. Va-t'en. Go. Va-t'en. Go. Va-t'en. Go. Quitte son corps. Leave his body. Et va. And go. Je t'envoie dans les lieux arides. Put in the darkness places. Je t'envoie dans les lieux arides. I will destroy your dry, dry places. Plus ce corps, ne l'utilise plus. Don't touch his body anymore. On fait cette pratique la sorcellerie. Practice witchcraft. Lâche-le. Release him. C'est un ordre. It's an order. C'est un ordre. It's an order. Quitte son corps. Leave his body. Quitte son corps. Leave his body. Lâche-le. Release him. Lâche-le. Release him. Lâche-le. Release him. La puissance de Dieu. The power of God. 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 La puissance de Jésus. The power of Jesus. 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 Merci de te manifester. Thank you for demonstrating. Merci de te manifester. Thank you for demonstrating. Merci de te manifester. Thank you for demonstrating. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Touche-le. Touche-le. Tu as une seringue que tu caches dans l'anus, dans ton ventre. You have something that you hide in your back. Tu prends ça pour you take it and tirer le sang mystique pour boire. To suck. Et pour t'en boire. Just to drink it. Pourquoi t'as pas dit? Why didn't you say that? Est-ce que tu veux laisser la sorcellerie? Do you want to leave witchcraft? Il faut remettre à Satan ce qui appartient à Satan. You have to give back what belongs to the devil. La délivrance, c'est désir. Deliverance is desire. Quand tu veux, Dieu te délivre. If you want, God can do it for you. J'aime bien boire le sang. Do you like? J'aime ça. Sucking blood. Ça te fait quoi? Ça te donne quoi? What do you have? Nothing. The power of God. Quitte sa vie. Live his life. Lâche. Je maudis ta présence. I curse your presence. Dans ce corps. In this body. Fire sur toi. Fire on you.
Je détruis I destroy la présence the presence de la sorcellerie of witchcraft dans tout ton corps in your body. Depuis ta tête from your head jusqu'à les plans de tes pieds. Your je maudis la présence I curse de la sorcellerie. Of witchcraft. Je proclame la délivrance de ton âme, la délivrance de ton esprit, la délivrance de ton âme, dans ton corps, dans ton sang, dans ta chair. Je proclame la puissance de Jésus-Christ. Je proclame la puissance de Jésus. The power of Jesus Christ. Amen. Amen. Il est délivré, s'il vous plaît. Ça va? Est ok. Si tu rentres, on aura. Il faut faire un passeport, mesdames. Et je te donner une repentance qui est spirituelle. Ce n'est pas toutes les destinées que tout le monde entend. Ouais, il faut souvent être sage. Voilà, quand tu es dans le ministère prophétique, il y a un moment donné, il faut avoir la sagesse. On ne vient pas pour bluffer quand on donne une révélation. Il y a des choses qui peuvent être privées pour toi. Pas forcément publiques. Voilà. La puissance de Dieu. Je libère. Je libère ton âme. Je libère ta vie, your life, ton mariage, your wedding, au nom de Jésus. Jesus name. Je détruis ton âme, no, dans cette boîte dans laquelle est mis ton âme. Je libère ton âme. Je libère ton âme. Je libère ton âme. Je libère ton âme. Qui est dans le nom de Jésus. Je l'ai délivré en diamant. La grâce de Dieu sur ta vie. Ton âme est libérée. Tes finances. Toute ta destinée. Au nom de Jésus que je prie. Amen. Allez, Nazareth. Venez. Allez. J'ai une stratégie à mettre en place pour faire rapidement les aveux. Tiens. Qui tu es? Comment t'appelles? Père Adou Sarah Leslie. Oui. Je suis sorcière. Comment tu es la sorcellerie? J'étais initiée par ma camarade. Comment s'appelle? Fred. J'ai demandé à Ariel. Elle t'a donné la sorcellerie? Oui. Comment? Elle m'a donné son poisson. Quand j'ai mangé le poisson, je sentais la goutte de viande dans ma bouche. Ah, quand tu manges le poisson, tu sens que c'est de la viande. Oui. Puis, qu'est-ce qui s'est passé après? La nuit, au dormait, elle est venue me chercher. Elle dit, viens, hein, oui. Elle dit, on va partir dans le monde des ténèbres. Dans le monde des ténèbres, oui. Oui. Et puis, on est parti. Hein? Et puis, quand on est arrivé là-bas, elle dit crédit. Et puis, ils m'ont donné du sang, de la viande. Et puis, elle dit crédit qu'elle prie, elle va payer. Ah, elle dit, tu as pris crédit? Oui. Faut payer ça? Oui. Oui, tu as payé? Oui. Tu as payé ça comment? Il a payé ça par une tantie. Ah, tu allais prendre une tantie? Oui. Pour payer le crédit. Oui. Tu as payé ça comment la tante? Il a tué. Comment t'as tué la tante? Il me suis transformé en père, je suis parti chez elle. T'es tantôt après, elle était partie chez elle. Elle habitait où? Where did she live? Elle habite à Beauville. Ok. Et tu as quitté où par là à Beauville? Where did you? Tu étais où puis tu es parti à Beauville et Pévier? Ils se quittaient dans le monde des ténèbres. Tu habitais où? À Iré. C'est de Iré, tu es parti à Beauville. Oui. Comment tu as fait? Je me suis envolé, je me suis transformé en épervier. Mm-hmm. Et puis elle s'est arrivée là. Et puis pour rentrer dans sa maison, je me suis transformé en serpent. Maintenant, avant qu'elle l'a tué, elle me suis transformé en l'homme maintenant. Mm-hmm. Et puis elle l'a tué. Et tu l'as mangé? Oui. Quelle partie? La tête et le cœur. Mm-hmm. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as tué combien en tout? Il a tué 5 et attaché 3. Attaché 5 personnes. Attends. Oui, allons-y, t'as tué ta tante? Oui. Qui encore? Ton oncle? Il a tué un tonton. Il est où? My uncle, one of my uncles. Ils sont dans la Beauville. Mm-hmm. 5 personnes? Oui. Et t'as cherché 3 personnes, t'as attaché 3? Oui. Donne-nous le nom des gens qui t'ont attaché. Il a attaché ma maman. Ouais. My mother. Comment vous avez envoyé votre fils? How did you bring your son? Ma mère m'a dit qu'elle est sorcière. She told me that she was a witch. Elle m'a dit qu'elle est sorcière, que c'est elle qui a mis maladie de cœur là sur moi. And she has given me Elle m'a attaché Allez, ma puce. Allez,
Elle m'a vendu en sorcellerie, même à 70 000. Elle m'a programmé le 3 janvier. Mais après, il y a ma voisine qui vend poisson à côté de moi. Ma voisine lui a dit non, faut pas tuer ta maman, mais faut me vendre. Ta maman, moi-même, je vais la tuer. Ben, elle m'a vendu dans mes de ma camarade là à 70 000. C'est ça? Is it? Mais comment tu peux aller nourrir la voisine? How can you go and c'est elle qui a dit de voir maman dans sa main. Mais est-ce que tu es obligé de donner ta maman? Are you obliged to do that? Bon, si tu donnes maman, tu as la deuxième maman. Non. Est-ce que tu as pensé à ça? Did you think about pas pensé à ça. Mais c'est bête. Franchement, c'est vraiment bête d'un peu pratique. Vous ne pensez pas après. You don't think. Pourquoi? Parce qu'avant de poser un acte, il faut penser après. Les conséquences. Having an action, you need to think before. Consequences. Les conséquences avant d'être engagé. Before acting. On dit faut tuer, puis tu tues. They're just spending your time killing. Donc la maman, elle doit mourir, on l'a vendue. Oui. So she is about to die. Tu t'es attaché, qui est le deuxième, c'est qui? C'est à son nom. The second one. Nom de qui? Her uncle. Maman. Elle est où le monsieur? Il a bougé. Elle est petite. Elle est attachée encore. Le problème, c'est qui? C'est son petit frère. Petit qui? Généreux. Le nom de maman. Ah donc, tu es la famille? Brother. Tu vas dissimuler la famille? Ça y est, tu vas faire disparaître la famille? Et vous voyez comment la pratique, la sorcellerie, ça commence d'abord dans la famille. C'est la pratique familiale d'abord. First. Avant de se répandre un peu dehors. Before et puis, elle est ici, mon oncle. Quand tu devais être il est où, l'oncle? Non, c'est le petit frère de maman. Mais il est grand que toi. J'ai un frère, point mort. Et tu as une zique encore? Bon. Et puis, celui-là l'a donné à son grand frère. Et il y a aussi une société de son grand frère. Combien de sociétés? Et puis, encore, il y a une zique, ma petite soeur. Et puis, j'ai une sister. Tu es la patronne. Et tu es le boss? Oui. En plus, tu es maman, c'est la patronne. They told me that. Ils m'ont dit que. I could have been the boss if I non, c'est elle-même qui est venue te dire. Hein? C'est elle-même. Comment tu as arrangé et puis c'est sorti du secret? Un matin, elle m'a dit maman, allons à l'église. Qui dit ça? C'est elle. Ah, c'est l'enfant qui dit elle est à l'église. Si tu en as toi-même, tu ne connais pas. One day, she wants to be. To go to church. Toi, mais tu ne connais pas qu'on doit aller à l'église. Quand j'ai dit la nuit comme ça, ah, hier rentré vite, là dimanche, j'ai parti à l'église. Là. Eh, hey, on nous distrait. Il y a mal de quête, même, non, non, même non, pas m'énerver. C'est une raison pour plus pour que tu partes à l'église. Satan va venir te dire qu'il faut aller à l'église, viens, va à l'église, Satan. Elle s'est dit, elle se transforme en python pour siffler dans mon visage, c'est ce qui fait qu'elle n'est pas partie à l'église. Blow my face, so that I cannot wake up. Il n'y avait pas mal à faire d'église, elle était en plus sorcière, venez ajouter. Mais c'est tout. So. Maintenant on dit on va te manger, c'est là que tu viens. Elle a peur de manger. She's on va te mettre en sauce graine. C'est là que bon allons-y. Là où c'est arrivé là c'est une question de sauce graine. C'est même plus on crache ma visage. Donc tu l'as vendu? Oui. So, à 70 000. Oui. Donne-nous l'argent. So you told the prince. Vous savez, c'est pas dans ma main. C'est dans la main de qui? C'est dans la compte de la sorcellerie là. Mais c'est quel argent? C'est CFA, euro ou dollars? Vas-y, c'est dollars, on t'attaque. C'est l'un des sorcellers. Ce sont 10 000 dollars, on t'attaque. Tu vas aller te prendre pour moi. Les sorcelleries? Oui. Mais à quoi ça profite? Ça, ça aide comment? But, ça aide. Okay, et puis tu prends. Out! Hey! Release him. Release him.
Lâche-la. Release her. Lâche-la. Release her. Lâche-la. Release her. Lâche-la. Release her. Quitte son corps. Leave her. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Écartez Dieu de nos vies. Levez votre main. Seigneur Jésus. Répétez après moi. Jesus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui comme sauveur, et Seigneur personnel, entre dans mon cœur, et fais de moi la personne que tu désires que je sois. Pardonne tous mes péchés. Merci de m'avoir accepté. Amen. Je prie que la grâce de Dieu abonde mon cœur et que toute présence de la sorcellerie, je maudis la sémence du diable. La nuit là, tu es bien, tu manges hier, tu toujours tu veux toucher du là, où tu veux la paix. Maintenant, comment tu fais pour là? Tu prends comment? How do you manage? Elle était couchée bien. She was sleeping. Tu as fait comment? Comment? Touche-le comme ça. Touche-le comme ça. Il n'a rien dit, tu as pris son mot. En prenant, tu as dit quoi? What did he say when taking? Il a pris ton mot pour aller. Hein? Il a dit il y a pour ton ventre pour aller. Mm-hmm. Que tu vas plus en coucher. Et pourquoi? Why? C'est la femme qui m'a dit pour plus maman va en coucher. Bon, maman va plus accoucher là. Ça t'arrange ou ça t'arrange pas? Ça ne m'arrange pas. Il peut essayer de venir pour moi. Donc ça veut dire, faut pas maman faire, tu vas être seule. Et tu as gâté qui? Elle a gardé la vie de mes frères. T'as gardé quoi? Il a pris les papiers. Et tu as envoyé ça où? Il a envoyé ça dans le monde de sorcellerie. Ah, vous faites quoi? Vous faites quoi là-bas? Toi, tu joues quel rôle là-bas, la sorcellerie? Je crois que tu as envoyé ça. Jésus te libère. Jesus release you. Jésus Jesus te délivre. Delivers 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 you. Jésus te délivre. Jesus delivers you. Maintenant même. Right now. Maintenant même. Right now. Maintenant même. Right now. Maintenant même. Right now. Come on! I commit. Fire! Fire! Jésus-Christ te délivre. Jesus Christ delivers. Il ce ventre. Release that stomach. Il reste tu ton enfant de give birth. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. The power of God. Te délivre maintenant. Delivers you. Te délivre maintenant. Delivers you. Te délivre maintenant. Delivers you. Reçois. Receive. Reçois. Receive. La délivrance. Your deliverance. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Reçois. Receive. Reçois. Receive. Reçois. Receive. Reçois. Receive. La délivrance. Your deliverance. Au nom de Jésus. In Jesus' name. 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 Come! Je fais sur toi. Fire. Lâche ta vie. Live your life. Lâche ta vie. Live your life. Lâche ta vie. Live your life. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Amen à la délivrance. Go. So, l'esprit de la sorcellerie. Spirit of witchcraft. Fire. Of witchcraft. Moi, je connais tous les combats. Je connais combat en haut, je connais combat en bas. Je connais tous les combats.
You were in a period of fight. Tu es sorcière? You're a witch. Hein? Oui. Oui. Je m'appelle Dali Aya Machel. Dali Aya Machel, I'm a witch. Qui t'a donné? C'est ma tante. Comment t'as donné? I've been initiated by my aunt. Oui. Tu veux parler ou même tu n'as pas envie de parler? Je veux parler. Vas-y. Quand elle a chauffé, elle m'a donné un fil. Hein? Elle a chauffé un coucher pour me donner. Ah, tu m'as dit coucher comment? Il y a un moyen de coucher en elle là. Vas-y, n'est-ce pas aussi là? On ne connaît pas Djigo. Quand elle m'a donné un coucher là? Je suis en Niyao, je m'as dit coucher. Quand elle m'a donné un coucher là? À 4 heures, elle est venue, puis elle m'a dit, on va allons-y. Elle est partie au moins. Elle est partie, arrivée là-bas. Maintenant, elle m'a dit qu'on fait du mal à les gens. J'ai tombé d'être fouillé. Maintenant, mon voyant se souvient que mes maîtres sont partis garder les papiers. Les maîtres? Oui. Ceux qui t'enseignent? Oui. To go in. C'est que toi, tu es dangereux. This for the teacher's life. Maître? Oui. Ah, ce que moi, c'est? Sukumase, le Sukumase du village. Schoolmaster. Tu l'as. Comment? Et comment tu fais? Je suis parti. C'est vraiment un problème aussi. Hein? Les insultés viennent dans le village. Hé, hey, l'enfant, tu pars. Oh, le petit est sorcier. Ça dit, elle sait comme ça. Hein, son petit ardoise manger à côté. Oh, c'est un sorcier. Il est têtu en classe. Tu le chicotes. La nuit. Tout ton corps. C'est comme si ils ont marché. Hein? Toi, tu en sais là-bas, non? Mais voici une institutrice dans un village. Le petit vient de prendre fait chez moi. Vous voyagez un peu. Hein? Oui? De partir gâter les trucs de la mère. Oh, gâter les trucs de la mère. Oh, c'est un danger. C'est pas bon, c'est anti-développement. Nos instituteurs doivent former nos enfants au village pour qu'ils aient des cartes. Oui. Les stresses sont stitch aux kids. Deux jours, trois jours. Tu aurais même envoyé en sonnerie encore. Mais tu quand même, c'est vrai là. De pas te les garder en sonnerie. Pour destroyer. Et quatre personnes. Quatre personnes, oui. Comment tu tues les gens? How do you kill people? Non, je te place. C'est pas moi tu regardes. Tu as tué combien de... Comment tu tues les gens? Comment tu tues les gens? Ah oui, oui, mais tu fais comment? Je me transporte en Arthur. Je change en chat. Chat, oui. Les cats. Et puis tu rentres dans la maison pour vivre. Je rentre dans people's house. Oui. Maintenant, son frère là, il s'appelle à vouloir, il se partit. Frère de qui? Ma tante. Vous m'envoyez chez lui. Je suis parti. Mm-hmm. Quand je suis parti net là, quand je suis parti net là, il n'y a plus de couteau. Il dormait sur le lit. He was sleeping in bed. Depuis, il est mis dans son ventre. Il a mis dans le compte du monsieur. Noir, il est tombé. Hein? Oui. Et il est mort? Oui. And he died. Et puis la chair, on a mangé. Oui, il a mangé. Tu as mangé quel morceau? Which part did you eat? Les cuisses et le cœur. Tu as eaten the heart. Et puis, tu as fait quoi encore? Et puis mon voyant encore. Elle m'a envoyé des fois de partir tuer le chambre. Dans un truc d'abord. Elle m'a envoyé. Elle m'a envoyé en soutenirie manger. Quand je suis parti. Et ton papa, ta maman, t'as fait quoi? Non, il n'y a rien fait. Ton père malade qui a fait le matin. C'est la femme, la sorcière avec qui m'a envoyé. Pour faire quoi? Quand elle m'a envoyé là. Quand elle m'a envoyé en soutenirie là. Elle est partie, elle prend pied de mon papa pour l'envoyer. Elle est prend pied de ton papa. Je vais faire pied de poc. Avec sauce clé avec Aboudjama. A checker Aboudjama. Oui, et puis qui? Quand tu as refusé de prendre ses pieds, c'est ta fille. Bonjour, elle dit elle a été mangée. Et puis qui encore? Oui. Quand mon père m'a envoyé, si mon papa sort. Ta maman, tu es dedans. Oui. Bien. Moi, je fais un chant rapidement, pour vous délivrer.
Qu'est-ce que t'as fait la pauvre femme? Dit, et mon voyant se soigner. Elle dit son truc là. C'est qu'elle prend pour s'accoucher, maman. Des pompes pour aller s'accoucher. Son accouchement. Son accouchement. Oui. Des pompes pour aller s'accoucher. Et en fait, triple. Et foufou. Manger. T'as fait avec ta femme. Faut pas aller. Ouais. Killing birth. La maman dit lui entend mon corps au petit. Elle est devenue maman. Qui les a attachés? Oui, mais ta maman. La maman est attachée là-bas. My mother is dead, already died in our fellowship. Elle doit mourir. Non. Ah, quand on attaque quelqu'un, c'est pour vivre. Is she going to die? On attache quelqu'un là-bas, c'est pour mourir. Mais t'as ce qu'on est pour dormir. La puissance de Dieu. The power of God. Je te libère. I release you. Aujourd'hui. Today. Je brise. I break. Les chaînes. The chains. De l'envoûtement. Of the ointment. De la sorcellerie. Witchcraft. Sur ta vie. On your life. La sorcellerie, witchcraft, lâche ton âme. Release yourself. Au nom de Jésus. In Jesus' name. L'esprit, the spirit, te libère. Release you. Tu reçois ta délivrance. And you receive your deliverance. Maintenant. Right now. Dans le nom de Jésus. In Jesus' name. La puissance de Jésus-Christ. The power of Jesus Christ. Te délivre. Release you. Maintenant. Right now. Maintenant. Right now. Reçois. Receive. La grâce de Dieu. The grace of God. Sur ta vie. On your life. Qu'est-ce que tu veux là? Je vais délivrer. De quoi? Je vais délivrer. De quoi? Tu vas délivrer de quoi? Je vais délivrer pour que je crois qu'il y a mieux me retourner. Là-bas, là, c'est quoi? Not to give up. On va finir. La puissance de Jésus. The power of Jesus release you. Release you. Après la prière, on va se voir. We're going to meet after the prayer. Vous êtes sorcière. Are you? On y va rapidement. Let's go rapidly. On y va rapidement. Comment tu t'appelles? Quel est venu ici? By my uncle. Hein? Oui, tu venais seulement. Eric, c'est son oncle. Elle t'a donné la sorcellerie comment? How did she give you the practice? Il a tué mon corps. Hein? Il a tué mon corps. Non, pas il. Moi, je ne parle pas de ce qu'ils ont fait. C'est ce que toi, tu as fait. Comment tu as eu la sorcellerie? How did you get the power? Il m'a donné riz. Hein? He gave me rice. Parlez fort. Il m'a donné riz. Il m'a donné riz. Il m'a donné riz. Il n'y avait pas bien sur le lit. Ah, oui, c'est moi, je dois, tu veux me fatiguer? Hey, j'ai pas le temps. On allait rapidement. Il y avait bien dessus. Rice and meat. Maintenant que j'allais dormir, j'allais m'appeler. Vous voulez parler ou ne parlez pas? Dégagez, allez. Vous allez vous asseoir. Allez vous asseoir. Allez vous asseoir. Dégage. Viens. Je m'appelle Oyuru Rachel. Je m'appelle Oyuru Rachel Al-Hosséan. C'est ma camarade qui m'a donné. Elle a donné quoi? Beau photo, une sorcellerie. Mais quoi? Sa maman a donné. Elle a donné quoi? Elle a donné quoi? Du riz. Elle t'a donné quoi? Du riz. Sorcellerie ou bien quoi? Sorcellerie. Oui. Comment elle a donné? Elle m'a donné. Comment? Elle m'a donné.
Maman, ma grand-mère a beaucoup m'envoyé chez nous là-bas. Maintenant, ma grand-mère apparaît dans la race un soir pour manger ensemble. Et là, quand on a mangé ensemble, elle m'a attendu sur ce nez. La nuit, ça se devenait une chiche. Ça, quand on est parti, elle dit de partir tuer le mari de ma maman. Elle dit d'aller tuer le mari de ta maman. The husband of my et tu as tué. Comment tu as fait? And I killed him. But how did you manage? Quelle maladie? Sickness. Which sickness? Je connais pas le nom. I don't have a name. Mais tu as dit, monsieur, sois malade. Oui. Il est tombé malade. Oui. Et puis il est mort. Et tu l'as mangé. Oui. Et après? And after? Après, il a fait souffrir ma maman. Hein? Made ma maman. Quelle suffering? Souffrance? Which kind of suffering? Il a dit, voilà, la nana n'a pas souffert. Comment tu as fait? How to get money so that she can suffer. But how did you manage? Il a parlé. Comment? Il a dit faut pas avoir mari, faut souffrir. Do not have. Faut pas avoir mari. Husband. Elle n'a qu'à rester comme ça. Oui et puis? Spend your time suffering. Et puis il a dit ma fille ma chose, la fille ma tutrice. Elle est où? Bien. Et bien, tu l'as rendu malade. Oui. Comment tu fais? Comment tu manages? Il a parlé qu'elle va tomber malade. Non, tu bois son sang. Tu bois son sang. Non, mais... Tu bois son sang. Tu bois son sang. Ça, tu bois son sang. Mais hier, tu es rentré au bureau, j'ai regardé, dit tu es sorcier. J'ai dit petite, je ne suis pas réveillé un matin pour avoir ce don-là. Quand ça se déclenche dans ma tête, ouais, c'est pas ton visage. Oh, heure, on avait déjà dit ça. J'ai dit je connais sorcier. I know. Who is? Elle a regardé, bah, t'entends, a commencé à crier. J'ai dit bon. Faut la rassurer, elle va parler. Tu vas s'entendre pas. Pourquoi hier t'as dit t'es sorcier? Ah, t'as crié. What did you show yesterday? Pourquoi? Pour rien. Hein? Pour rien. Attends, tu voulais cacher ça? Tu bois son sang? Du sac de blood. Hé, le temps, j'ai pas. Tu bois son sang? Oui. Ou bien tu veux plus parler? Oui. Tu as bien les délivrances, c'est toi qui. Tu as besoin de ça? Va t'asseoir. Va t'asseoir. Va t'asseoir. Femme en dehors là. On cache bon homme, c'est tout fait. Bon, toi-même, tu ne sais pas comment interpréter. Monsieur, tiens debout. Il faut que la sorcellerie te lâche. Witchcraft. Il faut que le pouvoir de la sorcellerie lâche tes finances. On va laisser ton argent. Les gens doivent laisser ton corps. Tu dois avoir une bonne santé. Tu dois être libéré. Ton avenir doit être libéré. Ton mariage est libéré. Dans le nom de Jésus. Nous prions. Ouvre la bouche. Open the mouth. Ouvre la bouche. Open the mouth. Ouvre la bouche. Open the mouth. Nous prions le Seigneur. We pray the Lord. Nous prions. We pray. Nous prions le Seigneur. We pray the Lord. Nous prions. We pray. Nous prions le Seigneur. We pray the Lord. 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 Ouvre la bouche. Open the mouth and pray. 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 On ouvre la bouche. Open the mouth and pray. On ouvre la bouche. Open the mouth and pray. La main de Dieu. The hand of God. Se manifeste maintenant. Is demonstrating now. La main de Dieu se manifeste. The hand of God is demonstrating. Est accord la délivrance. Giving you deliverance. 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 La main de Dieu. The hand of God. La main de Dieu. The hand of God. La main de Dieu. The hand of God. Reçois. Receive. Reçois.
Receive. Reçois. Receive. Reçois. Receive. Reçois la délivrance. Receive your deliverance. Reçois la délivrance. Receive deliverance. Reçois la délivrance. Receive your la puissance de Dieu. La puissance de Dieu te visite maintenant même. La gloire de Dieu te touche là où tu es. Je brise la main du diable et sur ta vie. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le consumer. Les œuvres du diable. Dans ta vie. Recevez la gloire de Dieu. Reçois la visite du Saint-Esprit de Dieu. Reçois la visite du Saint-Esprit. La main de Dieu. La main de Dieu vous touche ce matin. La main vous touche ce matin. La main de Dieu vous touche ce matin. Elle vous touche ce matin. Elle vous touche ce matin. Reçois. Go. Le diable est vaincu. The devil is overcome. Ce matin, now, le diable est vaincu. The devil is overcome. J'ai détruit sa présence dans presence sa vie. In your life. Dans ta 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 vie. In your life. J'ai détruit la présence, the presence du diable. Of the devil. J'ai détruit I destroy la présence du diable. Presence of the devil. Dans ta vie. In your life. J'ai détruit I destroy la présence du diable. Presence of the devil. Et dans ta vie. In your life. J'ai détruit I destroy la présence du diable. Presence of the devil. Et dans ta vie. In your life. Et dans ta vie. In your life. Amen. Amen. Nous allons poursuivre. Yes. Qu'est-ce que vous voulez, madame? What do you want, madame? Hein? Je vous ai demandé de partir. Vous ne voulez pas. Vous voulez quoi? Hein? De quoi? Hein? On s'était dit qu'on n'a pas fini. Soyez des guerriers, des hommes de prière. Quoi? De la sorcellerie. From which province? Vous allez partir. J'ai dit, j'ai tué mes enfants. Comment vous avez tué? Oh, j'ai tué en sorcellerie. Eh? Vous avez bouté vos enfants? Oui. Mais pourquoi? And why did they do that? C'est la sorcellerie. Bon, je vous donne une chance. Allez vous asseoir. I give you the last. Nous continuons de prier. Priez. We keep on praying. Allez. Nous prions. Nous voulons détruire la prison de la sorcellerie. Of witchcraft. Et dans ta vie. In your life. Nous voulons détruire la présence de la sorcellerie dans vos vies. Witchcraft in your life. Fire! Fire! Allez! Fire! Au nom de Jésus, Jesus, je te libère. Allez! Je te libère. La puissance de Dieu. The power of God. De Dieu. The power of God. La puissance de Dieu. The power of God. La puissance de Dieu. The power of God. Come on! Come on! En déposant les mains, je prie pour tous tes enfants envoûtés de la sorcellerie. Je délivre tes enfants. Je libère ta vie et celle de tes enfants. Au nom de Jésus, recevez la puissance de Dieu. Reçois. 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 Reçois ce matin la délivrance. Reçois. Reçois. Receive. Reçois ce matin. Receive. La visite du Saint-Esprit. Reçois. Reçois. Receive. Reçois.
Receive. Reçois. Receive. Reçois. Receive. Reçois. Receive. La puissance de Dieu. The power. Recevez la puissance de Dieu. Receive the power. Recevez la main de Dieu. Recevez. Recevez la grâce de Dieu. Recevez. Recevez la grâce de Dieu. Recevez. Reçois la visite de Dieu. Chez ta vie, la puissance de Dieu. 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 Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Esprit de malignité, puissance des ténèbres, commence! Lâche la vie! Release! Lâche la vie! Le feu sur toi! La main de Dieu te délivre! La main de Dieu te délivre! La main de Dieu te délivre! La puissante main de Dieu! La puissante main de Dieu! La puissante main de Dieu! Recevez! Recevez! La délivrance! The deliverance. Et dans le nom de Jésus. In Jesus name. 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 Feu! Feu! La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. Libère ta vie. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Libère ta vie. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la délivrance. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?